Vous allez rire. J'étais en train de compter les troupes, comme à l'accoutumée, et figurez-vous qu'il y a quelqu'un de chez... vous qui a complètement disparu. Alors je suis parti repêcher ces données CityOS et on dirait bien que notre agent se faisait pourchasser par l'une de nos ennemis. Une femme que vous avez dû mettre en rogne pendant l'une de vos balades, sans doute. Trouvez-la et elle vous mènera à notre agent. Très bien. J'ai une recrue potentielle pour vous. Je vais vous la marquer sur la carte. Édition spéciale. Une explosion vient de se produire au Haut Commissariat du Canada à Trafalgar Square. Selon les informations des Sœurs, l'organisation terroriste DedSec serait de nouveau active après des mois de silence relatif. Si vous disposez d'informations sur l'un des membres de ce groupe, contactez immédiatement les Sœurs via l'application CSAY. Juste une dernière chose. Malik est notre meilleure piste pour Zero Day et les attentats. La cote de popularité des Sœurs a bondi en flèche aujourd'hui après l'annonce de Richard Malik, directeur du contre-terrorisme, exigeant la mise en place d'une solution multilatérale pour éliminer la menace DedSec. Monsieur Malik, quelles actions mènent vos services pour protéger l'Angleterre? Le but n'est pas de protéger uniquement nos concitoyens. Bientôt, grâce au CityOS installé chez nos voisins, nous pourrons retrouver DedSec dans n'importe quel pays. Je vous remercie. Les Sœurs informent les citoyens que toute conversation en faveur ou au sujet de l'organisation terroriste DedSec pourrait entraîner l'ouverture d'une enquête. J'y suis. Et maintenant? On est là pour trouver ce qu'on appelle le dossier Malik. Ce sont des documents qui prouvent que Malik est bien derrière l'attentat à l'ambassade du Canada. Mais le problème, c'est qu'il risque de pas être stocké sur un seul ordi, mais sur des dizaines, dispersés dans tout le pays. On fait quoi maintenant? C'est la question à un million de brousouf, n'est-ce pas? Laissons Malik s'en charger. Les Sœurs utilisent un super ordinateur appelé Filament pour traiter des infos glanées sur le réseau CityOS. Imaginez un genre de noodle où l'on pourrait chercher partout en Angleterre en un claquement de doigts. Pas mal, Bagley.
Entre et connecte Bagley à un terminal administratif, Filament. Il s'occupera du reste. Comme d'habitude. DedSec a besoin de vos services. Eh ben, c'est pas trop tôt. Des nouvelles ?
Afin d'accéder au terminal d'administration filament depuis votre interface optique, vous devez aligner le réseau de satellites des SIRS avec mon flux de paquets depuis la Bloom Tower. Je devrais pouvoir m'introduire dans ce sale petit ordinateur des Sœurs. Rendez-vous au sous-sol et piratez le terminal filament principal. Il y a une intrusion dans les systèmes de sécurité du bâtiment. Désolé, le canal se fait pirater. Je contrôle toute la sécurité du bâtiment. Mais je préférerais éviter les effusions de sang, si vous voulez vous montrer raisonnable. Ne l'écoute pas. Zero Day a piraté la sécurité du Parlement juste avant les attentats. C'est leur mode opératoire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je souhaite la disparition de DedSec, mais personne d'autre n'a besoin de mourir. Vous avez prouvé vos compétences, et je pourrai les mettre à profit. Rejoignez-moi. Vous pouvez encore faire quelque chose de vos vies. Rejoindre Zero Day ? Négatif. On a été bloqué. Et on dirait que Malik a déployé des drones à micro-ondes. Pardon ? Quoi ? Des drones à micro-ondes. L'une des toutes nouvelles mesures de défense de filament. Ils utilisent des canons à micro-ondes miniatures pour détruire leurs appareils compromis. Un genre de chimio pour ordinateur. La salle du serveur se verrouille automatiquement lorsqu'ils sont déployés. Des idées ? Essayez de prendre le contrôle d'un des drones à micro-ondes pour neutraliser tous les autres. Ces portes resteront verrouillées tant que vous n'aurez pas éliminé les drones à micro-ondes. Neutralisé, salle du serveur déverrouillée et bordel de fion. Malik m'a coupé l'accès. Il doit avoir une connexion câblée au serveur. Des idées ? Une nouvelle mise sous tension réinitialiserait sa connexion et nous laisserait le temps de nous introduire. Mais Filament utilise 3 multiprocesseurs quantiques alimentés séparément. Nous allons devoir les relancer un par un. Si j'ai bien compris, on débranche et on rebranche ? C'est ça, en gros.
débarrasser de ce drone. Je ne peux rien faire à cause de lui. Fous le camp, imbécile de drone. Ce n'est pas le pique-nique ici, et je n'ai pas de tire-bouchon. Mais nous ne sommes pas du même monde. Ce drone à micro-ondes est là depuis tellement longtemps que j'ai fini par lui donner un nom. Je vous présente Ada. Vous voulez bien la tuer? Oh, la belle prise! Des documents de chaîne de contrôle pour 40 kilos de plastique. Ça a transité par une dizaine de sociétés écrans, mais la dernière adresse enregistrée est à Samsung. Et qui vit juste en face de cette adresse depuis 30 ans, à votre avis? Victoria et Imran Malik, parents d'un certain Richard. Ça ne prouve rien du tout. Dégage, sale pot de colle! Non, je ne suis pas ton père! Un vrai problème ici. Ça, c'est réconfortant et incriminant. On dirait que les alentours de l'ambassade canadienne ont été évacués pour un exercice non planifié. J'ai trouvé une discussion par mail entre le responsable et un compte anonyme des Sœurs. C'est drôle, les journaux n'en ont pas parlé. Vous allez pas me reprocher d'avoir voulu limiter les pertes humaines non plus. C'est dingue, ça. Merci de neutraliser ce drone à micro-ondes. Merci de neutraliser ce drone à micro-ondes. Regardez-moi ça. Un rapport de mission non expurgé. Deux agents des Sœurs devaient mettre en place des explosifs dans le cadre d'un entraînement. Le rapport est daté et signé par le ministre de l'Intérieur himself. Eh bien, le ministre n'a pas fini d'en entendre parler. De neutraliser ce drone à micro-ondes. Passionnant, le saviez-vous? Le responsable de sécurité du Haut-Commissariat du Canada avait une fille emprisonnée au Caire qui a été relaxée une semaine avant l'attentat. Il est fort possible qu'il doive une grande faveur à l'agent des Sœurs qui a mis la pression sur les Égyptiens. Vous ne pensez pas? Je suppose. On dirait que Malik abandonne l'idée de détruire le matériel compromis à l'aide des drones à micro-ondes. Maintenant, c'est vous qu'ils prennent pour cible, mais ça reviendra au même au final. Qu'est-ce qu'on a là? En direct de votre ordinateur portable, Malik. Des dossiers sur toutes les petites opérations que vous meniez en parallèle. Sincèrement, vous auriez aussi bien pu les appeler complotterroriste.doc. Assez! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pas question. Je vous laisserai pas faire. L'alimentation séparée est repartie. Retournez au noyau central pour terminer le cycle. Merci, Bagley.
Maintenant, finissons-en. Avec plaisir. Je suis complètement intégré à Filament, et on dirait que Malik n'a pas vraiment eu le temps d'effacer ses traces. Je crois que je peux suivre sa position. Vas-y. Alors, où te caches-tu ? On fait quoi ? J'ai envoyé le dossier Malik à tous les médias possibles. Ça va mettre un peu de temps à se tasser, mais ça devrait blanchir d'être sec. En ce qui concerne cette affaire, en tout cas. Et Malik ? Il a fait l'erreur de monter à bord d'une voiture autonome qui me devait un petit service. Elle l'emmène vers un lieu sécurisé. Quelqu'un peut me dire pourquoi on se contenterait pas de le buter ? Rien ne me ferait plus plaisir, crois-moi. Mais c'est peut-être un membre de Zero Day ou un proche. Je sais pas trop comment ça se goupille. Mais on doit tirer tout ça au clair. Hop là, un coup à gauche, un coup à droite. Malik est en lieu sûr à la planque. Bien. Maintenant qu'on le tient, on devrait aller lui demander ce qu'il sait sur Zero Day. Mais